surplombée par cette immense barre de grès, Anote est célèbre pour ses roches aux formes insolites. C'est au cœur de ce chaos de pierre que Gabriel Auger s'est installé. Allez, dai, dai. Viens. Sa maison atypique se trouve à l'écart du village. Pour y monter, elle doit emprunter un sentier impraticable en voiture. C'est une aventure au quotidien. J'ai l'âne pour porter, ce qui n'est pas évident, toujours. Surtout que là, elle a envie de brouter. Voilà. Donc tout se fait à dos d'âne ou à pied. La maison de Gabriel est située à Vers-la-Ville, au bout de l'ancien chemin de croix. C'est là que se trouvait le village d'Anote à l'origine. Avant le XIe siècle, les Anotins vivaient dans ce chaos de grès. Cet endroit a appartenu à des moines, ensuite à des Templiers. Et là, on peut voir le rocher aux 100 marches, sur lequel on voit un vestige de mur. C'est le vestige d'une tour de guet. Il y avait là une garnison jusqu'au XVIIe siècle encore. C'était un point stratégique pour surveiller toute la vallée. Gabriel a acheté il y a 8 ans l'ancien ermitage du hameau. À l'époque, j'avais une idée fixe, c'était trouver un terrain de 2,5 hectares avec une chapelle dessus. Voilà, c'était mon rêve. L'ancien ermitage de Vers-la-Ville est situé à gauche de la chapelle. Il a été construit contre un énorme bloc de grès. Je suis tombée amoureuse de cette maison et de cet endroit avant tout. Et ici, il est vrai qu'il se dégage une énergie particulière. Et d'ailleurs, les Anotins l'appelaient la montagne sacrée avant. Gabrielle a entièrement restauré la maison. Elle a notamment abattu les cloisons qui cachaient le rocher au milieu du salon. La maison embrasse vraiment le rocher puisque on voit que cet arrondi épouse toute la roche jusqu'au plafond. Cette roche, elle est vivante. Elle donne de l'énergie, je trouve. Et puis, en particulier, c'est un tampon thermique extraordinaire. Parce qu'en hiver, elle adoucit la température et en été, elle rafraîchit la température. Donc, c'est une maison qui est très, très agréable à vivre. À l'extérieur, la bâtisse s'ouvre sur une terrasse avec vue sur l'actuel village d'Anote. C'est une maison où on a l'impression que le temps s'arrête, en fait. Elle porte bien son nom d'ermitage, hein. Et dès que je suis ici, je suis bien.